Bonjour Monsieur Léo. Salut Pascal. Ça va? Nickel. Eh ben on va voir ce que ça donne après 6 mois d'arrêt. Hein. Ouais, tu te prends pas la tête. Non. Non, du tout. De toute façon, je sais que je vais forcément faire des trucs. On fait tous des trucs. Ouais. Et voilà, voilà. On a les pieds dessus. L'idée c'est de prendre du plaisir. Hein. Allez. Toujours. On va retrouver la clé déjà. Alors, on va suivre la check. Et ben déjà, tu vois, on va noter le ramètre. 109, 0, non, 34. Ouais, 34. 109 heures, 34 minutes. Il sera 15h30 quelque chose. 15h32. Document, siège pilote, ok, réglé, verrouillé, frein de part, je viens de le serrer, les volets rentrés, symétrique, transfert carburant, il est poussé, réchauffe carbu, c'est bon, il est poussé, la mixture, tout est off, les disjoncteurs, c'est bien. Contact batterie on, on a les pleins à fond, les alarmes, ok, balise de détresse, elle est formée, feu anti-colle, il est sur on, navet arrière tiré non verrier, ceinture non attachée, pompe, on la met sur on, allez. Centimètres, les magnétos sont sur bosse, les pieds sont sur les freins, personne devant, on est sur ouvert, tac, 3, 2, 1, c'est mieux comme ça. Ah, mieux. Tu vois, je t'avais dit. Je savais pas ce que c'était, mais je savais qu'il y en avait une. Lui, il a un truc à 50%, il m'entend, mais il entend. Donc c'est mieux que pas 100% du tout. On va faire avec. Pseudo amortisseur de son. Ouais, sinon il est dur. Un peu. L'insol de novembre 342 Charlie Papa, prêt au point d'arrêt 08 dur. Voilà. Bon, bon Charlie Papa, maintenant avant point d'attente, VLA tour 118 décimalis. Bon Charlie Papa, on maintient point d'attente 08 dur, on va la tour 118. Sinon, tu peux le descendre bas alors. Ouais. Quand tu es au sol, tu peux le descendre jusqu'au. Très bas. Je donne pas de. Je donnerai pas de repère. Je donne pas de repère, on est écouté. Mais surtout, ce qui est bien avec la mixture descendue comme ça, c'est que dès l'instant où tu vas aller chercher le plein gaz, ton moteur va s'éteindre. Parce qu'il aura pas assez d'essence. Donc si tu te gourres et que tu le laisses comme ça, et que tu arrives tant bien que mal à faire tes essais moteurs, normalement tu devrais pas y arriver. Dès l'instant où tu vas mettre en puissance, il devrait s'éteindre. Et si jamais
une mixture, que tu arrives à faire tes essais moteurs et que tu mets plein gaz sur la piste, normalement, il devrait s'éteindre. Il supportera pas le plein gaz, normalement. Comment? Ou t'auras 2000 tours et tu diras, merde, il y a un truc qui est pas normal et arrêt décollage. Et non. Si tu veux le faire chauffer un petit peu plus vite, tu peux faire ça. On peut même aller chercher directement le lean. Donc on en était à l'avionique master, tout ça c'est fait, transfert carburant, pompe off, feu de navigation donc. Roulage, atterrissage, hop, on met toutes les lumières aujourd'hui. Hydro, c'est dans le vert, continue, ça c'est fait, le plein. Pas lui, pas lui. Tac tac, la radio, alors on va faire la tiste, mettre de secours. Surface wind 360 degrees 8 knots, variable between 330 and 050 degrees. Visibility 10 km, temperature 10, Quebec November Hotel 1017, sunset 1854 UTC. En initial contact, confirm hotel received. Bon après-midi, c'est la information hôtel enregistrée à 12h30 UTC, piste 08 en service. Attention, risque aviaire. Vent au sol 360, 8 nœuds, variable du 330 au 050. Visibilité 10 km, température 10. Québec November Hotel 1017, unité 0, unité 7. Coucher du soleil 18h54 UTC. Au premier contact, confirmé hôtel reçu. Good afternoon, 10 hotel information, look at 1230 UTC. 1108 News, caution brothers up. Voilà, 122, 125. Le sol, rebonjour, Kilo Zulu, piste dégagée pour Paris. Monsieur Kilo Zulu, le sol, rebonjour, où est l'équipe Paris? Donc on rend l'avion pour 17h donc... Ouais. Une seule de Farce Bordeaux Québec, piste 08, gazelle dégagée, je vous fais rouler... T'inquiète pas pour le temps, hein, c'est mon élève qui est derrière. Québec, le soir, bonjour, pour l'approche, vous voulez rentrer en novembre. En fait, il a dû le prendre ce matin, hier soir, ça s'est Québec. Ouais, hier. Et concentré, dans le sol, là, vol, c'est gagné, on y arrive, ok. Bonne sol, 10 novembre, Lima, bonjour. Tu vas prendre le sol, bonjour. Le sol, le Fox Golf, novembre, Lima, DR400. Deux personnes à bord avec l'information hôtel. Demande de roulage pour vol d'instruction en secteur Est. Au-dessus, alors j'ai pas copié, c'est le novembre, Alpha. Novembre, Lima. Aussi novembre, Lima. Transpondeur 3720, relais point d'attente, piste 08, dur, rappelé, prêt. En laissant rentrer un Robin sur Tango Unity. Reçu pour le Tango Unité, le Robin, je le vois, donc on roulera, on rappellera après, ça c'est normal. On lâche, roule, on lâche. Vincent, bonjour du Fox, Juliette, bravo, Delta Papa. Alors à gauche, Delta Papa, le salon, bonjour. La bille à droite, Delta Fox, Delta Papa, un Sirius au parking Epanair, deux personnes à bord avec information. Hôtel, demande roulage pour pompe à essence. Delta, papa, vous pouvez rouler et quitter aux pompes en laissant passer un Robin qui va sortir de... C'est-tu le coin pour le point d'attente? On roule pour le point d'attente et le trafic qui vient de passer. Soit qu'on roule pour le point d'attente, hein. Aux pompes à essence. Fox, Jet Golf, bonjour. Jet Golf, le sol, bonjour. Fox Golf, Golf, Juliette Golf, un DR400 au parking de l'Aigle avec deux personnes à bord, avec l'information hôtel, ça serait pour le roulage pour les pompes. Alors vous pourrez rouler et quitter aux pompes. Virage à droite, oui, vous pouvez rouler, quitter aux pompes. On laisse passer le Sirius, on roule et on quitte aux pompes, Juliette Golf. Non, vous prenez le Sirius, Juliette Golf. Ouais, on a un bon vent du nord là. Le seul bon vent du Fox Golf, ouais. Charlie Matita.
Charlotte McIndia, le seul bonjour. McIndia, un PA28, parking Aeroflight, deux personnes à bord pour rouler aux pompes. McIndia, roulez quitter aux pompes en laissant passer un Robin qui va rentrer sur Tango 2 pour son parking. Je roule, quitte aux pompes et je laisse passer. C'est sur les freins ou pas? Tango 2, merci. Un petit peu tout à l'heure, j'ai vu. Vous pouvez rouler et quitter aux aiglons. En fait, je freinais. Novembre. Vous pouvez rouler et quitter aux aiglons, Fox Bravo Québec. Je roule et je quitte aux aiglons, Fox Bravo Québec. Daniel Sol de Fox Novembre, pas du être bonjour. Piste 08 dégagée pour rouler aux aiglons. Fox, papa Juliette, roulez et quittez aux aiglons derrière le, votre collègue Bravo Québec qui reste à votre droite. Fox, papa Juliette, derrière le Bravo Québec, je roule et quitte aux aiglons. McIndia, correction, vous laisserez rentrer deux Robins sur Tango 2 pour leur parking. McIndia, deux Robins pour leur parking. Merci, ça c'est sûr, madame. Hey. Alors, les essais moteurs. On est dans l'axe, les freins de parc est serré, les pieds sont sur les freins, pression d'huile. On est dans l'air, le moteur il n'est pas encore chaud. Ils l'ont à la détente là. Comment? Ils l'ont à la détente là. Ouais. Pression d'essence, c'est ok. On a démarré à 34. 30, 32, on est à 40. On est à 42. Ouais. Ça va venir, tranquillement. Ouais. Très bientôt. Surtout qu'il a déjà tourné ce matin. Elle doit pas être si froide. Hop. On y va alors? Ah ouais, mieux comme ça. Est-ce qu'elle est vivante? Top, 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 on se réveille. Je pense qu'elle a dû bouger un iota, bah alors vraiment un iota quoi. Si elle est vivante, on peut. Pas que je dis ça, mais... pas évident, elle est peut-être loin dans l'axe. Elle est vivante. Ah, tu le vois, là? Oui. Vas-y, tu peux. C'est à toi de jouer. Donc, on a dit 2000 tours. Hein. Garde-la un petit peu. Ouais, c'est bon. Voilà. Voilà. 700 tours, stable. Problème. Elle a bougé là. Ok, alors le renard. Tirage de frein maintenu, les magnétos sont sur BOSS, batterie alternateur sur ON, charge on est dans le vert, échauffe carbu poussé verrouillé, et sur, allez en mise en haut, sélecteur essence il est ouvert, transfert carburant poussé, l'autonomie chargée, l'horizon artificiel de secours, bon, le secours je l'ai réglé. Ben, ouais. Commande. Bonne seule qui Fox Charlie Kilo. Rebonjour, on a dégagé la 08 gazonnée, ce serait pour rouler parking de l'aigle. Les kilos par la droite, roulez, rappelez avant novembre. Par la droite, on roulera, on rappellera. Roulez, on rappellera avant novembre, Charlie Kilo. Moi de toute façon pas plus que des 8 paresseux ou des... Des bis d'eau sortie d'eau. Voilà. Compensateur, ceinture harnais attachée, pompe électrique sur ON. Voler un cran vers à droite.
L'éjecteur est en place. Le du sol de Fox Golf 6 en place. Échange d'huile dans le vert, la température à l'avant elle est presque dans le vert. Station pour le sol, bonjour. Le briefing décollage. Ah tiens, le briefing décollage. Donc on est 08. Vous voulez quitter aux pompes, il y aura un... On laisse la 1400 pour qu'il... Non, tu peux le mettre à 1002, il va chauffer pareil. Je roule et je quitte aux pompes. Bah, faut que je t'entende en gros, à ce moment-là on va attendre un petit peu l'axe. Donc on est 08 dur, on maintient dans l'axe au seuil de piste, liaisonné à droite, hop, route au 120, on va aller rouler et puis on fera la queue, c'est pas grave. Plus 500 pieds, donc 850, roulez et quittez à TAS, et voler, on est sorti un TB9 de Tango Unité pour les rotation 52, montée normale 80. Donc là on va chercher 1500 puisque on s'éloigne. Sort du circuit. Quand on sort du circuit, on va aller faire, je dis, un petit peu plus loin là-bas vers Fontenay. Ouais. Quand on laisse sur la droite, et puis après ben, je vire un petit peu à gauche et j'essaie de retourner sur. Ouais, ça marche, ça me va bien. Voilà, tu gardes Fontenay sur ta droite, c'est ça? Fontenay sur ma droite, ouais. Ok, très bien. Et c'est bien ce que tu m'as dit. La cible, ton altitude cible. Ouais. Et ouais, tu peux du coup exploiter ce que tu dis. Altitude cible, alt 1500. Impeccable, voilà. Et tapis nul avec HDG. Voilà. Et tu peux mettre 120. Et ce sera impeccable. Tu veux un truc en plus pour ton axe de piste ou pas? Non. Enfin. Bah, si tu veux, je te le mets. Sinon, tu mets-le si tu veux. Alors, tu peux faire un truc comme ça. Vous pourrez poursuivre ou rouler quitter avec. Tu te mets une fréquence qui n'existe pas sur le bord. Tu passes en mode bord sur ton HSI. Et tu mets 0,81. Et comme ça tu as la piste, l'axe de montée initiale et ton altitude cible. Ah oui, d'accord. Bon, on fait ce que t'en veux. Ouais. Tu prends si tu veux. Ouais. Ça a pas trop d'intérêt, ça a de l'intérêt dans des mauvaises visibilités pour intercepter l'axe de piste sur une longue finale ou par exemple une entrée en base, une entrée semi-directe ou une directe. Là, mais à batterie tu te retrouves un peu. Où tu vas batterie, Melun, enfin dès l'instant où tu as du contrôle, tu peux te faire ça. Bon. À prendre ou à laisser. Ouais. C'est un peu poussé bon, quand même. Bon, à savoir, mais ouais, c'est vraiment good to know, mais c'est en général, c'est des conditions où vous mettez pas les pattes. Bah, mettez pas les ailes. Si on arrive à faire ça, c'est qu'il y a un problème quelque part, quoi. Ouais, mais ça arrive. Ça peut arriver. Hein. Ça arrive de se retrouver, tu sais, 2 km de visi, 2,5 km de visi, des fois ça arrive, ouais. Et tu te retrouves. Tu te retrouves en longue finale, là ou surtout là-bas, et ouais. Tu vois pas ta piste et merde. Ouais, d'accord. Ou t'arrives juste à choper le papy, ça peut arriver. D'accord. Les conditions se dégradent vite, des fois. Un non-vent et le QFU de la piste. Ouais. Dans le mode vent ici. Bah ouais. Et t'as ton axe. Et comme ça tu peux créer un tour de piste. D'accord. Une base, une finale. Une vente arrière. Bon. D'accord. À prendre ou laisser. Comme tu veux. Donc là c'était le briefing décollage, briefing sécurité. En cas de panne ou de problème quelconque, avant rotation on freine, enfin on ralentit le moteur, on freine, on sort de la piste, on prévient le contrôle. En cas de panne, heure après rotation, ou panne, on fait un tour de piste et on revient se poser donc là du coup en 08. Et en cas de panne majeure après la rotation. Donc on cherche vitesse de planée 78 nœuds. Pour un atterrissage d'urgence, secteur avant, mayday. On attend, si on n'est pas trop haut, c'est plein de choses quoi. Absolument. Et puis on fait ce qu'on peut pour se poser correctement. Et surtout, si t'as cette piste, repose-toi sur la piste. Oui, tant qu'à faire, ouais. J'ai fait un... Bah je te raconte au débriefing, tiens. Ouais. J'ai fait un arrêt décollage avec lui, un vrai. Ouais. Je te raconte au débrief. D'accord. Je le note, sinon je vais oublier. Ouais. Donc briefing, radio, bon et voilà, on va pouvoir faire un parapluie. Hop. RTONL. Manifol du Fox, novembre Lima, point d'attente 08 du résumé. Novembre Lima, maintenant avant point d'attente, Vélator 118 décibel 6. Je maintiens avant le point d'attente, je vais 110 décibel 6, Fox novembre Lima. On est fermé. Fox novembre Lima, le mieux tour. Bonjour, alignez-vous, piste 08, dur, autorisé, décollage, vent 0,10 degrés, 5 à 11 nœuds.
Bonjour, autorisé décollage 08 du rejet Maligny, Fox Novembre Lima. Ok, donc j'ai regardé, il va être 50. Parfait. Voilà, on est dans le vert au niveau de la température, on est aligné. Loin Tour de Fox, papa, bonjour. 80. Ok, papa, Loin Tour, bonjour. Allez, un petit peu sur Fox, papa, libéré par Seine en arrivée sud, 1500 pieds, 1800 pour incomplet. Le bataille de Fox, transmeneur 37-31, rappelez 30 secondes de la verticale, 1500 pieds. J'ai pas le code transfert, papa, de Fox. 3-7-3 unités. 3-7-3 unités, rappel 1500 pieds, approche verticale, pas de fois. Oui, le Samuel de France, on va transmettre pour quitter et passer les Moulineaux. Samuel de France, contactez Sandrine-les-Moulineaux sur 118.5, bon vol. Ah, il en veut. À la prochaine. Quand il en veut, l'animal. Hop, 125 heures à droite. On a le lac, on a 800 pieds, on coupe la pompe, entre les volets, ça sent bien le carburant. Ouais. On les repère. Parce qu'il est plein. Ouais. Il est plein de chez plein et en fait on a, avec l'assiette qu'on a pris, sauf qu'à Tango, on va rappeler antérieure main gauche, piste 08. Ça c'est proche du, ouais. Antérieure main gauche, piste 08, faut que je parte en Tango. Allez, comme il faut, il a 90 déjà là. Bon, on va peut-être pas décoller non plus. Bon, alors, le lac il est là-bas. Bon, moi je suis plutôt à 1400-1450 hein. Donc on cherche 115 à 2400-2500 tours. Ah oui, carburant plein nez là. Ouais, c'est normal. Ah ouais. On s'est fait la même la semaine dernière. Un petit vent de traviole. Voilà. Et ouais, ton vent là, il est plein de travers. Tu sais vite fait, tu saurais vite fait me calculer cette dérive ou pas? Donc là, on a du 7 nœuds, on est sur un facteur de base là, de 0,5 en l'occurrence, donc on a 3 degrés. Impec. Fox Papa 2 fois, trafic, Technam, tout début de vent arrière, rappelé en vue. Impec. Bon, Fox Papa 2 fois, en vue du terrain et pas en vue du Technam pour l'instant. Reçu. Voilà. Donc on a une visite de 10 km paraît-il aujourd'hui. Oh, il est large. Allez. Et là-bas c'est loin. Fox Oscar Tango, ça sera un complet pour l'allure. Oscar Tango reçu. Donc à 3000 pieds, ouais, ça, ouais. Donc je fais pas deux fois visuel du Technam qui approche le travers tour dans vos 1 heure. Négatif, faut que je fais pas deux fois, je suis au-dessus mais je vois pas pour l'instant. Visuel, faut que je fais pas deux fois. Pas pas deux fois, soit vous entrez tout début de vent arrière derrière lui, il sera au complet sur la dure, soit vous reprenez la montée initiale. Faut que je fais pas deux fois, j'ai visuel mais je prends la montée initiale pour pas gérer le trafic. Appelez vent arrière, pas deux fois. Vent arrière, faut que je fasse. Sous carte en go numéro 1, rappelez final, piste 08 dur. Rappel final de piste 08 dur, numéro 1, sous carte en go. Faut que je donne en Mima, transpondeur 7000, quittez à plus tard. Ok, t'as plus tard, on va oublier ma 7000. J'allais l'appeler. Ouais. Mais il nous a devancé. Donc, en réalité. J'ai pris Coulombier.
c'est bizarre ça. Que cherches-tu ? Chercher la fréquence, mettre la fréquence. Hein. Ah. Donc normalement on récupère, hein, on prend le. Oh, oh, je suis allé super vite, pardon. Si, ouais, j'ai vu, tu étais sur fréquence. Ah ben d'accord, ok, en fait, c'est une fois qu'on a celui-là d'affiché. Et là, normalement, tu cliques dessus et il passe en voilà. Stand-by. Et voilà. Voilà, monsieur. Tu as ta fréquence et elle est active. Ouais. Ah bon, on a visuel. Ouais. Alors gaffe, t'es sur la... t'es sur l'axe de finale. En plus, elle est longue. Va bien à gauche. Si longue que ça ? Elle est... Je la verrais plutôt entre le entre les hangars là et là. Ouais, là. Bah on n'est pas loin. Hein. Ouais, ouais, on s'approche. Imagine le mec, il est en instruction, il dit ouais, je vais, ils sont en train de bosser et tout, l'élève part un peu au loin, on se retrouve au même endroit. Pas à la même altitude, mais à 1000 pieds sol. Ouais, des fois. Ça devient sportif. Ouais, ouais. Vaut mieux s'en déloigner. Monter initial 30. Ah, tu vois, monter initial 30, il est en face. Alors imagine le mec qui rentre sur l'ON, il se dit ouais, je vais prendre ma montée initiale. Ouais. Et puis ben, on se retrouve à faire un face à face. En montée initiale 30 hein. Ouais. Bah, il est bien caché alors. C'est clair. Fontenay information du Fox Nord, Nima, bonjour. Fontenay info, le Fox Golf Nord, mois de novembre Lima, en transit 1400 pieds, 1017 au nord des installations pour un nautique et demi. Et on a pris l'info d'un trafic en montée initiale de la piste 30. Je sais pas où il est ce malade. Bah ouais. Dès qu'il soit pas gouré de piste. Et qu'il soit en 12. Et qu'il soit surprenant qu'il soit en 30 quand même. Bah ouais, bon tu sais. Le vent est de travers hein, donc ça se gère pas grand chose hein. Non. Non franchement je suis pas. Et puis on a rien là. Bon, on a rien au travail au TICAS. Ok l'idée. Ouais, on va l'enrouler. Bon, on va aller de Foxy Mazoulou en vent arrière 30 pour toucher. Il confirme. Ouais alors vent arrière 30, il décolle comme ça, gauche-gauche, il doit être. Ouais bah tu vois, il est pas passé loin. Ah ça y est, j'ai un visuel. Ah. Tu vois les villes, tu vois les champs jaunes derrière, juste au-dessus de la forêt dans les champs jaunes. Ouais. À peu près à nos 5 heures là. 4 heures, 4-5 ah, heures. J'ai rien. J'ai rien, regardons devant parce que sinon ouais. On va se retrouver. Bon. Tu peux monter jusqu'où là? Donc là, maintenant qu'on a passé derrière, on devrait monter, pouvoir monter 2005 là. Allez va. Assiette d'abord, sinon tu vas augmenter trop fort ton régime moteur et tu vas passer au-dessus de l'arc rouge. D'accord. C'est normal, quand ça fait 6 mois c'est normal. Eh oui. En fait le fait de cabrer oui. Va réduire, comme c'est une hélice pas fixe, ça va réduire légèrement tes tours. Et oui. Toi du coup tu vas profiter de ces réductions en tours pour mettre plein gaz. D'accord. Pour ne pas passer au-dessus de cet arc rouge. On peut même monter 3005 et on ne montera pas 3005. Voilà, 2400. Très bien. Ok, c'est bien ça, cette approche-là, je l'ai jamais faite comme ça. Du coup, là, on voit grand puits. Quelque part devant là-bas, si on va trop loin, on va voir la Ferté Gaucher. Alors, Ferté Gaucher là-bas, et tu as Nangis qui est travers avant droit. Ouais. Fontaine de Foxy Mazoulou en base 30 pour retoucher. Et Fontaine information du Fox Nord Lima, on est sorti du secteur et du circuit, on quitte la fréquence. Bon vol. Bon vol, novembre Lima. Rappel de Coulomiers. En 22, ouais, va te dire. Non, c'est 220 tout. Peut-être. 200, je sais plus. 220. 205. 205. C'est pas grave.
assez cool quand même, même par ce par là. Bon, c'est beau là. Ouais. Alors... on a un 110. Ok, donc, ok, d'accord, ça y est, j'ai compris. Ça c'est la N4. Bah, où ta carte? J'ai pas de carte. Ah bah bravo. Alors... ah, il y a un appareil à gauche là-bas. Oh, t'as de bons yeux, hein. Ah oui, j'ai. Et voilà, au bon moment. Donc on est en train de suivre ça. Ah non, justement, là j'essaye de tout le faire de visuel, de mémoire. Ouais, ça sert à rien. Mais si, c'est un jeu. Ok. Ok, ok, joue. Donc là on va plein est. On a grande fouille derrière. Le biais, ça doit être la ville qui est là-bas à gauche. Ouais. Il y a une piste là. Une piste, hein. Ouais. Et pas LFPG parce qu'il est là-bas. Vas-y, fais un virage à gauche. Vas-y, vas-y, à gauche. À gauche toute? Ouais, ouais, on va faire un 360 pour que tu la vois. D'accord. Essaie d'enrouler le village et puis... Ouais, c'est ça. Et je vais te faire voir quand on sera sur la branche retour. Regarde, dans ton PDL, t'as tout un paquet de champs ouais. Vert foncé, et dans le milieu t'as un champ vert clair. Ouais. Il a une sorte de... il ressemble à un trapèze. Ouais. Avec une cabane dans le milieu, tu vois ou pas? Alors... le vert clair dans le milieu des verts foncés. Le vert clair dans le milieu des verts foncés, non. Là, ici, entre la ville et le sable? Non, plus avant. Plus avant, il est comme ça? Il est là. Ah oui. Suis ma main. Ah oui, 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 d'accord. Tout petit, tu vois ah, les oui, pistes oui, oui, effectivement, ouais. Et regarde, il y a même une manche à air. Ouais, alors là, c'est une base ULM en fait. Ouais. ULM ou peut-être de l'aéromodélisme, mais je pense que c'est de l'ULM. Ah ben là, l'aéromodélisme, ils ont pris de la marge, hein. Ouais, ouais, c'est des gros modèles. C'est des petits gros, quoi. Bah, c'est de l'ULM. Ah ouais, effectivement. On découvre des choses intéressantes. Ouais, tu vois, je l'avais jamais vu celle-là. Ouais, tu vois, comme quoi. Est-ce qu'elle est marquée sur la carte? Bon bah je te laisse okay. Faire ton chemin. Ouais. Eh ben non, il y a pas. Ah si, il y a une base, bah justement, aéromodélisme, la 86. Aéromodélisme. La 8604. Ok. Alors maintenant je vais aller au nord. Ok. De toute façon j'étais parallèle à celle-là et elle allait en groupe plein est. Ouais. Donc si je remonte à Coulommiers, je vais chercher le nord direct. Et a priori ça doit être que ça là-bas. Sur XO non? Non non, novembre du matin. NF? Ouais. Ok. C'est pour ça, finalement, prendre celui-ci pour un vol de reprise, c'est pas mal. Ah bon, j'aurais préféré le novembre alpha, mais... Ben ouais, je sais bien. Mais je sais pas ce qui s'est passé, normalement je l'avais réservé, puis j'ai vu que j'avais changé, hier je me suis rendu compte que j'étais sur Tango Oscar. Ouais. On prenait pas, donc novembre Lima direct. En fait, normalement, novembre alpha maintenant est réservé pour l'école, ouais. Et surtout, ben... entre le moment où on t'a basculé, et le moment où on a réservé l'avion pour l'école, il ouais. Y a Patrice qui s'est mis dessus. Ah. Donc, Comme c'est pas moi qui gère. Ouais, Patrice... Moitié. Toi qui était là, tu l'as vu ou pas? Ah, ok, l'autre, oui. Oui, Fox Tango, c'est Sierra Golf 9. Qui appelle Paris? Fox Golf, Nador, Tango, Sierra, J42, Reverse Nador, prendre touché pour Rouen, le Best Flight Information Services.
Tango Sierra, Squawk 7001. 001, Fox Tango Sierra. Tu saurais me trouver la ferté gaucher? Bah justement, je le cherche un petit peu là. Tango Sierra, radar identified. Pas de fait, Tango Sierra. Bah je le vois pas devant. Je pense qu'il est un petit peu plus loin. Tango Sierra, would like to know if Evro is active. Ça, on est deux, on a 12 et 14 minutes. En ligne droite de Boulogne. La ferté gaucher, on a la ville qui est un petit peu plus sur la gauche, donc ça doit être quelque part par là-bas. Là. Ah bah tiens, regarde. À 2h, ah ouais, à 2h là-bas. Bien vu. Oh, mais elle est belle celle-là parce que tu m'as la ville et on a topé tous les deux le terrain en même temps. Ouais. Ok, bon bah ça du coup c'est Coulommiers. Bon, okay. Bah, je te laisse te débrouiller pour intégrer Coulommiers, ouais. Et je te passe la fréquence. Bon. Direct et je saute à Logne. On se fait quelques touchés là-bas. Ouais. Alors normalement, même là tu vois, je sais, enfin, je sais à peu près où est le terrain mais je le vois pas. C'est étonnant quand même ça. C'est étonnant. Ah ça y est, je pense que je l'ai trouvé. On a la ville là, on a une route hein, derrière dans l'axe, légèrement à droite. Ouais. Là. Vas-y, emmène-moi. Tu feras une arrivée par le nord-est, c'est ça? Par l'est même carrément. Non, on va déborder un petit peu par là-bas. De toute façon, il faut qu'on cherche la verticale pour voir la biroute. Hein. Ouais. Pour être sûr que ça soit bien la 09 comme à Logne, mais bon. Je vais faire ça. Hop là, direct. En bas. Coulommiers, 10 Fox, novembre Lima, bonjour. Coulommiers, le Fox Golf novembre Lima DR400. Nous sommes à 3 nautiques environ à l'est du terrain, 2500 pieds. Nous allons nous approcher par le nord-est pour une reconnaissance pour des exercices de toucher. Runway 09R left, close by Notam. Unpaved runway 09R left, turn right. Personne à droite. Ah, là on la voit mieux la piste là. Ouais. Que tu as comme contrainte d'altitude? Est-ce que j'ai comme? Comme contrainte d'altitude à Coulommiers? Comme contrainte d'altitude à Coulommiers, ben, on est à 2005 max. Ouais. Sachant qu'on arrive rapidement sur 2500 derrière. Yes, ça c'est la menace. Même excessivement rapidement, puisque dès qu'on est au niveau de la sortie ouest, on est 1500. Oui, monsieur. Un peu de choses près. Exactement. Et coupe petit briefing arrivé sur Coulommiers, la piste, on arrive par l'est, on suppose que ça va être la 09 comme à Logne, vu la proximité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que c'est ça. Donc je vais arriver à 2000 pieds, comme ça par le nord, je vais chercher le virage à gauche, pour être à la verticale du terrain, vérifier ça, pour pouvoir ensuite m'intégrer 1500 pieds, non c'est 1200 pieds, pour m'intégrer 1200 pieds en début de vent arrière, ça se confirme. Ok. À quelle altitude? Donc là, 2000 pieds. Ok. Et l'altitude tour de piste? 1200 pieds. Ok. Terrain accessible, on a regardé le notable. Descend, s'il nous reste 3h plus 2h30 plus 50 litres. Eh ben, 2h30 plus 1h30, ça fait 4h. Ok. Donc là, en même temps, je surveille les abords parce que... Oui. Il y aura pas beaucoup de planeurs à cette période, mais... Eh ben, non. Et les avions, on a vu qu'il y en avait un déjà tout à l'heure. Ouais, le week-end dernier, il y avait des planeurs. Il y avait des planeurs. Ouais.
Marc, après il suffit qu'il fasse un peu beau. Hein. Bah il faisait un temps super pour les planeurs, on se tapait déjà en avion on se tapait des pompes, alors les planeurs ils devaient être contents. Ah bah oui. Coulombier du Fox Novembre Lima, nous sommes à nautique nord-est du terrain, 2100 pieds, on va faire une verticale 2000 pieds pour vérifier si c'est bien la 09 en service. On est 2000 pieds. Donc on a une biroute qui est à gauche, là, à l'entrée de piste. Hein. Et où elle est, mais je la vois pas encore. Donc on a les deux fermes, enfin les deux endroits sensibles ici, la ville là-bas. Ouais. Et pourquoi je vois pas la biroute? Ça a changé de place ou quoi? Non, elle est morte. Elle est basse. Je la vois, mais j'arrive pas à déterminer le sens. Ok, mais de toute façon, on va enrouler bien là. Ouais, vas-y. Normalement, il y en a une autre à l'autre bout. Hein. Exactement. Regarde, t'en as une autre là-bas. Le hangar jaune, ouais. L'essence, le hangar du club, encore à gauche. Ah, ça y est, vite. Tu la vois? Donc ça vient comme ça là. Ah, vas-y, va la voir. Ouais, ouais, ouais. Ah, quoi que. Ouais. Je suis pas sûr du coup là. Bon, de toute façon, il est de travers. Coulombier du Fox Novembre Lima, nous sommes 1900 pieds vertical terrain, on recherche la biroute. Ah, dis donc, il y a un phare là-bas à droite, regarde, c'est quoi ça? C'est un truc dans. Ça doit être un truc à Disney ça. Alors, okay, c'est donc travers. On est plein travers là. Ah, on est plein travers à gauche là. Vas-y, prends un virage à 30 degrés, 2000 pieds. 30 degrés, 2000 pieds. Voilà. 30 degrés, en fait, je te dis 30 pour éviter le bled. Ouais. Et elle te dit, bah, elle te dit celle que tu veux, quoi. Plein travers, ok. Voilà. Débrouille-toi. Même, t'as vu, c'est même un petit peu la 30. C'est perpendiculaire, laisse tomber. Ouais. Ouais, t'as raison. Et bah, tu prends ce que tu veux. La préférentielle, c'est là. Du coup, là, j'en sais rien, la préférentielle. 09. 09. Ça tombe bien, c'est celle que je voulais. Coulombier du Fox Novembre Lima, nous descendons pour une prise de vent, début de vent arrière, 1200 pieds sur la 09 en main gauche. Pour un toucher. Yes, alors garde bien la montée initiale sur ta gauche. Ouais. Garde-la bien sur la gauche et descends à l'extérieur du circuit. On sait jamais, il y a des sourds ici. Ils seront en mode furtif là. Eh ben, le problème des sourds c'est ça, c'est qu'on les entend pas. Et ben non, ils nous entendent pas et ils parlent pas. Et ils voient rien. En plus. Bon, allez, hop, on a déjà la réchauffe. Coulombier du Fox École Charlie Maquidia, bonjour. Hein? Fox Maquidia, PA28, deux personnes à bord en provenance de Loge. On est actuellement assemblé à 4 minutes à l'ouest de vos installations pour transiter via la verticale de vos installations à 1500 pieds à destination Poisson. Yes. Et si tu veux, tu peux te mettre une pilule d'altitude à 1200 pieds. Ça sera plus simple à tenir. Mec. Donc là, on sent qu'on est en dessous de moins 500. Oui. Ah bah tiens, le Samuel avec son barotraumatisme. Ouais, ouais, tout à l'heure quand il en parlait là. Alors, bah, c'est pas compliqué, hein, 27, hein. 9 degrés, 9 de vent de droite, donc je prends degrés, je mets 270, le village est là-bas, on est 1300 pieds. Coulombier du Fox Novembre Lima, début de vent arrière pour un toucher sur la 09 dur en main gauche. 2000 tours, on va peut-être chercher à ralentir un peu quand même. On réduit, hop. 2000 tours, on est 23,2, un cran de volée, la pompe la réchauffe.
le village, on est à peu près. Coulombier, bonjour, novembre 172, Fox Delta, 772, départ d'abord au sud des installations, 2500 pieds pour quelques exercices. Là, je regarderai, mais il y a du pousser un petit peu quand même. Juste une accumulation un peu à gauche. Voilà, en fait, ouais, on passe entre le village et la, ouais. La ferme isolée et la ville. Donc, je te donne un repère sur le prochain tour. Ouais. Ok. Ouais. Et justement, c'est ça qui me plaît aujourd'hui, c'est qu'on le fait en 09 et c'est très rare de le faire en 09 en fait. On le fait rarement en 09. Donc les 80, 90, 95% des circuits que j'ai fait ici. Ah ouais? C'est pour la 27, ouais. Ok. Colombien Info du novembre Lima, on a visuel sur le Mike India qui arrive à la verticale, on va tourner en base pour un toucher en 09 central et c'est bien pris Fox Delta. Ouais. Bonjour à tous les deux. Et bien bonjour Fox Delta. Bon alors attends, là je vais me remettre des cartes. Et le Mike India, on est vertical terrain 1500 et on va prendre okay, un capteur pour une sortie là. Colombier Fox novembre Lima en base 09 central. Colombier Fox novembre Lima, on s'établit en finale 09 central pour un toucher. Alors deux crans de volée. On a l'axe, on a 11 degrés de côté. Pas 70, on est dans l'axe. Nickel. Colombier de Fox Golf, kilomètre Tango, bonjour. Tango, un DP9 en provenance de Logne pour une verticale terrain sur le terrain de Coulommiers dans estimation dans 2 minutes. Et à l'issue, ça sera des tours de piste. Colombien information le novembre Lima, on est en montée initiale de la 09 centrale, on rappelle en traversier. Tu me fais confiance? Ouais. Je te guide. D'accord. Vas-y, continue comme ça. Tu vois la ferme là-bas avec le hangar vert? Ouais. Eh ben tu vas tourner derrière cette ferme. Derrière la ferme. Ok? Ouais. Ouais. Donc tu pourras faire montée initiale, une perpendiculaire pour tourner. Ouais. Après, re une perpendiculaire, je te donnerai un autre point de visée. Plus de pompe, pas de réchauffe, pas de volée. Oh, ok. Ça que t'appelles vert là? Ouais, bah la ferme là-bas. Au carrefour. Il y a un carrefour et il y a une ferme derrière et c'est ça. Donc tu pourras tourner derrière. Bon alors je vois pas de ferme verte, on est 1200. T'as un hangar avec des... Je vois les voitures qui roulent là. Avec des panneaux solaires dessus là, juste là. Ouais, en dessous là, ouais. Ouais, en d'accord. Dessous. Et ben derrière ça. D'accord, ok, si effectivement elle est verte, ouais. Plus de loin, je sais pas, c'était... C'est plutôt une espèce de bleuté quelconque. Voilà, j'allais voir l'oculiste moi, non? Allez, vas-y, tourne à gauche. Vous voulez bien, voilà. Du Fox Mike Teaser, on quitte le secteur à la fréquence par le nord. Une bonne fin de journée à tous. À toutes. Et tu vois, là-bas, on arrive sur un grand champ jaune pour Fox Victor Tango, on avec au bord une sorte de bergerie. Alors il y a un regard ici, t'es pile dedans, il y a un petit hangar dans le milieu des champs là, avec un toit rouge. Ah, dessous là, ouais. Ouais. D'accord, ouais. Tu vises ça, tu seras impeccable. Ok. Tu es pile sur le trait. D'accord. Et tu peux nous mettre 1800 tours.
Colombie Information, le novembre Lima, on est en mi-vente arrière 09 central, on a visuel sur l'avion à la verticale. Alors vas-y, mets-lui bien 1008. 8, tard, voilà. Voilà, parfait, 1200 pieds. Cabre légèrement. Voilà, on perd la vitesse. Hein. Voilà, dès que t'as la vitesse, tu peux mettre tes volets. Ouais, c'est bon. Alors, un cran, la pompe, la réchauffe, volet. 1800 tours, deux doigts entre le capot et l'horizon normalement. Normalement. Et 80. Ouais, mais là c'est, on est encore un peu rapide, c'est pas très grave. Il sent. Il sent l'essence. Ouais, ouais, ouais. Et là tu vas aller prendre 1500 tours par minute. 1500 pour... tours par minute, ouais. Au moment où je commence à... Exactement. Et tu garderas 1500. D'accord. Ça va te donner 65 nœuds. Sur un plan à 5 degrés. 5%, pardon. 3 degrés, 5%. 1500. Alors, descends pas trop fort. Il faut moins 3 ici, moins 300 pieds minute. En gros. Voilà, 75 nœuds. Et perpendiculaire. La Fox Normandie, on est en base 09 central, intouché, on rappelle en finale. Cabre légèrement. Si mon instructeur était là, il te dirait variation d'assiette à cabrer. Et là tu peux intercepter la finale à 75 nœuds. Cabre fait une légère variation d'assiette. Voilà, parfait, 75 nœuds. Et dès que tu es sur ton axe de finale, tu peux sortir tes deux crans de volée. Victor Tango, on est en vent traversier, on va rejoindre l'avant arrière. Et tes deux crans de volée vont te donner automatiquement 65 nœuds. Laisse le faire et vise l'entrée de la piste. Regarde, il est en train de. Il est en train de réduire. Colombie Information, le Fox Novembre Lima, on est en finale 09 central, on touche. Allez, continue de vider. Continue de vider, continue. Tu m'aplatis le truc là. Pas du tout. Et arrondis-moi ça. Hop, un cran, toute la puissance, pompe, pas de réchauffe. Oh, dis donc. Et ben on n'a rien gagné. On n'a rien gagné? Non, quasiment pas. Ok, on cherche 78 nœuds, on les a. Ouais. Tant qu'on est en vente arrière, on a fait point de toucher. Remise de gaz ? Ouais. Assiette ? Assiette ? Puissance. Assiette ? Puissance. Ah oui, tu piques ma manette ! Normal ? Colombie Info, le Fox Nord Lima, on est en montée initiale 09 centrale. Essaye de faire une de pédure. Ouais. Le Fox Nord Lima, on va monter à la verticale 2000 pieds en fonction du Victor Tango pour faire une un encadrement. Et ben donc Victor Tango, on arrive en fin de vente arrière, ça sera pour un toucher 09 et je pense qu'on vous gênera pas. Et ben, nous remis, on monte 2000 pieds, on rappelle à la verticale. Vas-y, va chercher 80 nœuds. Vas-y, grimpe. C'est lent ça. Ah ouais. C'est ça que ça sert, une vitesse. Eh ben oui. Hein. Attends, encore on passe pour la 09, c'est pour être touché. Même à la montée, tu sens qu'il t'allume les oreilles, dis donc. On a pris plus 1009 dans la. 1009. Ouais. Ah oui. Alors ce qu'on va faire, on va arriver comme ça face au sud. Ouais. On va faire un demi-tour pour se mettre face au nord et on débutera face au nord, ok? Donc on arrive plutôt côté droit pour revenir centre. Oui monsieur. Ça me va bien. Là, j'ai l'oreille qui vient de claquer. Incroyable. Alors t'as pas nos montées initiales? Là ce que tu pouvais faire directement c'est
Rien chercher, en effet, ta vitesse de vitesse de planer, c'est pas mal. Et tu peux sortir les deux crans de volée et essayer de te reposer. C'était l'étape d'après, j'allais dire si on fait quelque chose, maintenant c'est le cran de volée. Exactement. Mais ouais, pas de demi-tour, pas de gauche, pas de droite. De toute façon. T'avais de la place devant, tu pouvais jouer, même si tu finis. Même si tu finis dans le grillage. Ouais. Tu finis dans le grillage. Bon après. Alors je mets déjà la réchauffe, la pompe. Ouais. D'où notre collège. Victor Tango, il est sur la piste. La mi-piste. Ouais. Il a pas décollé là. Tiens, regarde, il est en train de réaccélérer là. Et il va y arriver. Et il est parti. À cette vitesse là, Pascal, combien tu peux prendre d'inclinaison maximum par rapport à tes vitesses de décrochage, tout ça? 35. Victor Tango, on est en montée initiale pour la 09, le trafic de la PTE, votre position? Et le Fox Normima, on est en train de se présenter face au nord et donc on débutera juste avant. Je pense que vous serez dans le milieu du traversier quand on débutera. D'accord, ce que je sors, c'est que je sors un vent traversier éloigné. Eh ben c'est sympa, merci, Fox Normima. Ok, donc on est 82. Approche pas trop près, on cherche le milieu. Ouais, vas-y. 2000 pieds, normalement c'est 2000 pieds en principe, non? En principe. C'est pas grave, ça te fait juste moins de temps lors de la descente. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, vas-y, réduis tout. Ok, on a tout réduit, on a la pompe, la réchauffe. Coulombi Information, Fox Normalima, on est à la verticale d'installation face au nord, on débute une PTE main gauche pour la 09 centrale. Et visuel sur Victor Tango. Ok, J78 nœuds. Elle est pour. On n'est pas encore tout à fait au bon endroit, mais c'est presque ça. Hop, on y est. Tango, on est en vent traversier éloigné. Donc là on a de la hauteur. On a 6 nœuds droite, on fait gaffe. Ah. Ouais. Ça mérite de décaler un tout petit peu ton point d'aboutissement. Ouais. Pour calculer tes 30 degrés là. 300, ça va pas tarder. Ouais. Normalement c'est 30 degrés. 30 et là degrés. Comme t'es un peu haut, ouais. Et ben 45, ça ira pas mal. L'impression qu'il est en détour. Colombie Information, le Fox Normalima, on est en dernier virage, on touche 09 centrale. Ah, je veux mettre deux crans, pas dans le virage. Sur Tango, on arrive en début devant derrière pour la 09. Deux crans de volée. On est haut. On est haut là. Ah ouais. 700 pieds. Tu sais pourquoi on est haut? Bah parce que j'ai pas... à tourner un petit peu tôt. Remise de gaz, on recommence et on... et on délaye. Voilà. Et on délaye le... on fait le... on tourne en vent arrière un peu plus tard. Vente initiale. Ouais. Pour la même information, Fox Normalima, on a remis les gaz, on a visuel sur Victor Tango et on fera le même exercice à l'issue, on rappellera la verticale 2000 pieds face au nord. Ouais, c'est Victor Tango. Plus de volets, plus... Ah ben, la réchauffe, je me disais aussi.
Ah ouais, il y avait un truc qui me chiffonnait, mais j'arrivais pas trop à déterminer quoi. Et oui, tiens, c'est étonnant. On a la ferme. Je t'ai laissé faire parce qu'on est avec Novembre Lima. Ouais. Avec Novembre Alpha, je t'aurais... T'aurais été plus prompt tard. Ouais, bah de toute façon, on aurait pas pu monter. On aurait pas pu monter. Ah tiens, il y a un autre appareil là. Ouais, c'est le... Ah non, c'est pas lui. Il est bizarre lui, donc c'est qui vient. Attends, vas-y, tourne à droite. Ah oui, il contacte pas, d'accord. Ouais. C'est une façon de voir les choses. Par contre, l'autre, je le vois pas. Le Victor Tango... Et il est en... Il tourne en base. Duel, ouais. Bon, dans pas longtemps, on va être au-dessus de lui. Ouais, super. Victor Tango en base pour la zone centrale. La petite ferme, elle est là-bas. On dirait un Aquila de Paris Aéro. Début de finale. Bah, je veux pas donner de nom à la radio, mais... Ouais. Je te guide. Finale pour la zone centrale. Ouais. Je te guiderai. Alors vas-y, prends un peu plus loin. Là, il est en courte. Ouais. Il est en cours donc je vais pas lui parler tout de suite. Ouais. En fait tout à l'heure j'ai failli mettre les volets avant le virage. T'aurais pu on était haut. Bah oui c'est ce que je voulais. Et là je te guide pour être un petit peu moins haut, ok ouais. Et pareil les dernières fois qu'on a fait des tours de piste ici on avait des vents de 10-15 nœuds. C'est plus du tout la même chose. Mais non. Coulombe information, le Fox Novembre Lima, on a visuel sur Victor Tango. Je pense que ça passera sans que tu allonges ton tour de piste. On va se présenter face au nord pour débuter. On rappellera pour débuter Fox Novembre Lima. Ouais, je pense que ça passera aussi. On va la commencer à 1900 pieds. Ouais, vas-y, reste comme ça un petit peu. Tout droit. Et là, vas-y, tourne à gauche, histoire d'avoir un petit peu plus de... être un petit peu plus perpendiculaire. Je mets la pompe, ouais, la réchauffe, 89 1900 pieds. Ok. Vas-y, face au nord, t'as vu, on est vachement serré par rapport à la piste. Ouais. Donc... 1800 même. Voilà, ça t'arrive maintenant. Okay, on réduit maintenant. Donc on cherche 78. Hein. On va chercher 78, on le compense et on attend. Hop là. On attend que la piste soit 10 cm sous notre plan horizontal là. Ouais. Fox Novembre Lima, on est à verticale face au nord, on débute, on rappelle en dernier virage et... Et on a visé le sol Victor Tango. Ok, donc voilà, on est vraiment 10 cm en dessous. T'as vu, on est un tout petit peu plus loin. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux là, t'as vu. On est 600, on est 500 mètres plus loin. Top un peu plus. Allez, tu converges. Tu mets deux AP sur le sur la piste, comme ça. Tac, regarde. T'as tes deux AP, ils sont en plein dessus. Maintenant, 30 degrés par rapport à ton point d'aboutissement. Tu vas pouvoir commencer à descendre, 78 nœuds toujours, attention, là tu peux descendre, voilà, continuer à 78, et créer ta base et ta finale. Je te laisse les commandes, ouais. C'est toi qui as, tu les as. Et là t'as vu, on est beaucoup plus bas. Ah oui, largement, oui. Et c'est beaucoup plus facile, tu peux mettre un cran de volet tout de suite, ok, et là tu peux virer. Donc on y va, dernier virage, on touche 09 central. Et là tu peux lui mettre deux crans. Même pas sûr. Tant pis. Au pire, ce sera trop court. Non, c'est bon.
T'as vu, et encore, on arrive avec encore un peu de vitesse, on aurait pu tourner un chouï plus tard. Et là, t'es sûr de faire la piste? Ah ben là, c'est sûr, ouais. On aurait pu tourner encore un peu plus tard. On remet les gaz? On va toucher un petit peu. Ah bah, pas bon moteur. Ah, tiens, je me suis fait surprendre là. La pompe, un cran de volet, toute la puissance, et on est parti. 37. Colombier de Fox Golf Uniforme Yankee, bonjour, un TP9, 3 personnes à bord, 1300 pieds pour une intégration 09 centrale. Colombier Info, Fox Nord Lima, on est en montée initiale de la 09 centrale, on rappellera en traversier. On en fait encore un ou alors on va faire un ou deux tours de piste à Logne. Ouais. Je voudrais que tu m'utilises les 30 cm de débattement que tu as aux commandes et pas seulement 5. Ah d'accord. Tu regarderas sur la vidéo, ouais. Ton arrondi, tu le utilises ça. Ouais. Alors que tu pourrais utiliser encore plus. Ouais, mais là je suis fait surprendre en fait. Oui, j'ai vu. Mais même on aurait pu tourner encore plus tard en fait. Ouais. On aurait pu décaler carrément plus notre point d'aboutissement. Ouais. Je me suis fait avoir aussi. Et où l'animal? Eh ben... Ah bah ok. Il tourne en place. Stop en go, on tape pour la rotation. Là je vais mettre 1400. Ouais. Colombier Information, Fox Nord Lima, on est en montée vers 1500 pieds, on est dans le vent traversier, on va suivre la vent arrière et sortir en fin de vent arrière pour Logne. Alors, plus de pompe. Plus de volet. Encore un peu proche. Ouais, je cherche la maison, il me semble qu'elle est là-bas. Ouais. Donc en fait, tu prends ça, et ouais, tu le décales de... Bon, en final pour la journée, on est entre les 500 mètres. Ah oui, c'est cette maison là que j'ai parlé là. Ouais, bon. Exactement, avec le toit rouge dans le milieu des champs. Juste en lisière du village qu'il faut pas survoler. Ouais, c'est ça. Ah, le encadrement good, la panne montée initiale good. Ah merde alors. T'es d'accord avec moi? Ouais. Colombier Information, le Fox Nord Lima, on est en fin de vent arrière 09 central. On va quitter le circuit par l'ouest, le retour sur Logne. Et bonne journée à tout à l'heure. Merci, allez, bonne journée. Et on va rester à l'écoute parce qu'il y a un trafic avant gauche. Ouais. C'est la mec qui est convergent. Yes. Fox Uniforme aussi, traversé de 1500 pieds pour faire un pour intégrer la 09 centrale. Bon, bah c'est pas lui. On peut changer. Numéro, pardon. Bien. Je te laisse te débrouiller pour rentrer. Ouais. Fox, hôtel de Fort, on n'a pas reçu. Hôtel de Fort, on a pour une translation, pour un vol sur. Bonjour à tous, ici Logne Information, Juliette enregistrée à 14h28 essai, piste en service 08. Attention, risque aviaire, vent 0,10 degrés, 5 nœuds, variable du 350 degrés au 100 degrés, visibilité 10 km. Température 11, QNH 1017, unité tête. Couché de soleil aujourd'hui à 18h54, 8 essai. Merci d'informer Logne, au premier contact que vous avez copié l'information, Juliette. Good day, this is Logne 444, hôtel de fois. Hôtel de fois, donc vous pouvez remplacer dès maintenant pour la... 0,8 gazonné, le vent 0,70 degrés, 5 nœuds. Croisez la dure, rappelez aligné près, gazonné. Croisez la dure, appel près sur la 0,8 gazonné. Ok. Hôtel de Foix, autorisé décollage, 0,8 gazonné, 0,70 degrés, 5 nœuds, virage gauche approuvé si vous souhaitez pour rejoindre l'avant arrière.
Appel de fois autorisé, décollage de gazonné, virage à gauche pour rejoindre avant arrière 1500. Fox Alpha Juliette, piste 08 dur, autorisé touché, le vent 0,70 degrés sinueux. Pour un point d'hélicoptère à croiser à la médiane, il y a une minute. Vous méritez touché 08 dur, Fox Alpha Juliette. Salut, toujours du Fox Novembre Lima de retour avec l'information Juliette à 2 minutes d'écho. Fox Novembre Lima, transpondeur 37 ou 32, rappelez écho. Logne du Novembre 112, Fox Delta, bonjour. Fox Novembre Lima, transpondeur 37 ou 32, rappelez écho, un trafic 11h, un nautique, convergent à écho, même altitude, Cessna. 37, 32, transpondeur, on a visuel sur le Cessna, Fox Novembre Lima. Bah alors Hein? Et toi, c'est à lui qui parlait tout à l'heure? Ouais. Ah bon, je l'ai pas identifié, je croyais que justement il parlait à lui. Fox Hotel Sierra, piste 08, tu autorises atterrissage dans 060 degrés. Autorise atterrissage 08, dur Fox Hotel Sierra. Fox Sierra Sierra, piste 08, gazonné autorisé, touché, vent 060 degrés, c'est pneu. Ah là, il va falloir le louper. Vélis devant vous au départ de la turbine. Alors t'as deux choix, soit tu régules dès maintenant, soit tu mets la patate pour le doubler. Non, je vais réguler dès maintenant. C'est l'ONU du novembre 100, 112, Fox Delta, rebond. On va chercher un 105 nœuds, comme un 1400... 112, Fox Delta, l'ONU tout rebond, sur transpondeur 37-33, rappelez écho. Bon, alors 37-33, rappel écho, Fox Delta. Allô, bonjour, Fox Delta, Fox Delta, Kilo Zulu, l'ONU tout rebond, bonjour, alignez-vous, piste 08, durée, attendez. Comme c'est un stagiaire à la tour et que j'ai pas envie de le surcharger, je vais pas Et qu'il a l'air de charger là un peu, on va juste une remise de gaz. Ouais. Ou tu touches et on fait une remise de gaz et je lui dirai remise de gaz. Numéro 1, rappel final 08 gazonné. Tu essaies de me le travailler à fond. Piste 08 du retour, il fait décollage, vent 0,50 degrés. On décolle 08 sur Kilo Zulu. En fait, on fait un vol formation éloigné. Ouais. De toute façon, il vole à combien? 100, 105, pas plus 105, ouais. Donc là, je suis à 102, 105 à peu près. On a 40, on a 20 chevaux de moins et on vole 22 de plus. Ah oui. Eh oui. C'est français. Ça par contre c'est solide. T'as déjà fait du Cessna, du 172? Ouais. C'est bon, un F-172 quand on était à Carcassonne. J'avais fait un vol avec un pilote. Ah, pour le pilote de la du terrain, est-ce que vous me recevez? Ah oui, forcément il faut un exercice de panne. Tu peux mettre 2000. Et nous on va vraiment se... Si vous me recevez, transpondez à identité. Rapprocher. Dans rapprocher, pardon. Et en vent arrière, tu pourras mettre 1008. Oh. Ident observé, collationnez tous les messages par Ident. Vous êtes en panne d'émission. Fox Delta, on arrive avec vous. Non, oui, Fox Delta, trafic Robin, vent traversier vers l'avant arrière. Reçu, vers l'avant arrière, Fox Delta. Entrée, rappelez vent arrière 08, donc derrière le Robin, tout début de vent arrière. Le Robin qui approche la verticale. Ah non, c'est pas deux trafics début de vent arrière. Vous allez reprendre la montée initiale. Le Robin qui arrive à la verticale. Vous allez reprendre la montée initiale avec un Cessna et un Robin qui passe écho vers la vente arrière. Le Robin Juliette Golf qui est en panne d'émission. Collationnal Island, si vous avez bien reçu. Kilo Zulu, deux trafics à écho vers l'avant arrière, restez bien au sud. On reste au sud, on a visuel sur un des deux trafics. Fox, Novembre Lima, entrée et rappelez vent arrière 08 avec un Robin en montée initiale tour de piste. Wilco, visuel Novembre Lima, 08. Fox Pascal Juliette, fin de vent arrière. Fox Yankee, autorisé atterrissage 08 gazonné, le vent 0,50 degrés, 5 nœuds. Autorisé atterrissage 08 gazonné, Fox Yankee. Fox Juliette numéro 1, rappelez final 08 gazonné. Numéro 1, je rappelle le final 08 gazonné, Alpha Juliette. X-Ray Oscar, numéro 2, derrière le Vélis, vous avez bien visuel? X-Ray Oscar, on a visuel sur le Vélis, c'est à notre dans les rondeurs. Donc il va prendre la gazonnée, rappelez final 08 dur. X-Ray Oscar, rappelle le final 08 dur.
Donc le Robin en panne d'émission, Juliette Cole, je vois que vous élargissez. Vous passerez derrière le Cessna et le Robin qui sont tout début de vent arrière maintenant. Et je vous rappelle en vent arrière. Ah, il y en a deux en fin vent arrière et deux nous, et nous on est deux et en là, début de vent arrière. Là-bas. Ouais. Aim. Ok, allez, début de vent arrière. Hop, hey, tu peux pas? Nouveau bon les états numéro 3, trafic précédent Robin, fin de vent arrière, appelé final, piste 08 dur. Numéro 3, appelé final 08 dur, Fox Delta, et ce sera un touché. Fox Novom Lima, numéro 4, trafic précédent Cessna devant vous pour la dure, appelé final, piste 08 gazonné. Numéro 4, Novom Lima, rappel en final 08 gazonné. Bah alors, tu l'as loupé aussi celui-là? Bah, je l'ai entendu, j'ai eu un doute. Comme là, je me stabilise. Là, je fais la limite. Donc, c'est qui le Zulu 307000 qui t'a appelé, hein? Kilo Zulu, on est en route sur Coulommiers pour quitter. Donc, c'est Kilo Zulu, je confirme, transpondeur 7000 quitté à plus tard. Ouais. On quitte, on va transpondeur 7000. Fox Air Oscar, piste 08, une dure autorisée, atterrissage, vent 0,60 degrés, c'est 2. Fox Air autorisé, atterrissage 08, dur. Ok, il y en a un qui est en train de faire. Fox Air Juliette, piste 08, gazonné autorisé, touché, vent 0,60 degrés, c'est 2, le Robin pour la dure au complet. Autorisé, touché, 08, gazonné, Fox Air Juliette. Il va dur à gazonner, lui va faire sans doute dur, ouais. On fait gazonner. Et nous on fait gazonner, on est éclairé pour. On est numéro 4 et on rappellera en finale 08 gazonné. Le lac, le H. C'est joli là. Fox Golf numéro 3, trafic précédent Robin, travers tour pour la gazonner, rappel final qui 08 dur. Et on fera une remise de gaz sur la 08 gazonnée. Faut que je donne numéro aussi pour l'expansion. Novembre Fox Delta, piste 08, dur autorisé, atterrissage vent 0,42 degrés, c'est 2. Est-ce que ça prend un toucher Fox Delta? Reçu pour le toucher Fox Delta. Donc autorisé de toucher 08 dur Fox Delta. Est-ce que t'as pris l'info? Il va faire un toucher, donc on l'aura sur la montée initiale sur notre gauche. Ouais. Il y a du tour Fox Novembre Lima, au final, le 08 gazonné. Fox Novembre Lima, piste 08, gazonné autorisé, remise de gaz, vent 0,40 degrés sinueux, trafic Cessna sur la dure en tour de piste. Autorisé pour la 08, gazonné Fox Novembre Lima, reçu pour le trafic. Donc on touche même pas le sol alors, on va juste. Si, on va toucher. Vas-y, vas-y, pousse, ben, continue. Alors là, t'as vu, tu décales tout le temps ton point d'aboutissement. Ah ouais? Prends ton entrée de piste. Ah, là, tu le décales, du coup, t'arrondis un. Tu fais un pré-arrondi, comme un pré-arrondi. Vas-y, encore, 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 regarde, t'as tout ça, et plein gaz. Alors oui, on est remonté. Peut-être fait exprès. Mais tu peux te servir de tout. Ouais. Il était bien celui-là. Ouais, à droite. Et on a pris le site 08 dur autorise atterrissage, vent 0,20 degrés, 5 nœuds. Fox Juliette Golf, site 08.
incomplet là ou encore un tour? Juliette, début de vente arrière. Incomplet ou encore un tour? Incomplet. Fax Juliette numéro 1, rappelez final, piste 08 Gazonné. Numéro 1, je rappelle final 08 Gazonné, fax Juliette. Fax Juliette, Delta Novembre, du tour. Bonjour, alignez-vous, piste 08, tueur et attendez. Et puis c'était Novembre Lima en plus. Bonjour, je m'aligne et j'attends piste 08, il faut que Delta rentre. Ah, ça y est, elle va le repère. Tu t'es mis un. Tu t'es mis une scénerie de Lloyd, non, sur, ouais. Sur Microsoft. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Ah bah obligé, hein. Et ça marche bien. Lloyd est seul, Lloyd est au revanchant de Fox, c'est bon. Ça ressemble bien, c'est... Fox, sauter le papa, Lloyd est au rebonjour, transpondeur 37-30 au transpondeur et Fox Golf Alpha Hotel Papa, DR 400, deux personnes à bord de retour de local avec l'information Juliette. Actuellement 3 minutes. Et tu fais quoi par rapport à ton horizon? Fox, sauter le papa, rappel écho. On rappelle écho, Fox, c'est papa. Et tu gardes toujours le même écart entre ton capot et ton horizon? Golf Kilo, Victor Tango, bonjour. Fox Delta Novembre, piste 08, dur, autorisé décollage, vent 0,50 degrés, 3,2. Autorisé décollage 08, dur, Fox Delta Novembre. C'est un plan qui coûte. Lagne tour de Fox Golf Victor Tango, bonjour. Fox Victor Tango, transpondeur 37-33, rappelez écho. Ah, regarde. Je passe sur transpondeur 37-3 et devant. Je vous rappelle. C'est maintenant ou jamais. 37-33, regarde devant, écho. On vire à gauche. Fox Hotel Papa, il y a un trafic sur votre arrière droit à un ULM qui fait votre écho a priori. 200, et il y a 1200, deux trafics le long d'autoroute, Robin Julien TB9, dans vos midi et dans vos. On regarde pas l'intérieur de ton virage, il t'aspire. Alors, on a vu et il t'aspire vers le sol. Sur en plus. Les trois ouais, trafics, ouais. Hôtel Papa, on va se mettre derrière le deuxième qui est sur l'autoroute. Reçu, donc reçu. Victor Tango, un Robin sud de votre position et un ULM même secteur, un petit nautique sur votre arrière sûr, gauche. Le chemin parce que j'ai envie de t'embêter et que trafic tu peux, et surtout. Pas visuel sur les LM actuellement. Non, c'est bien. Delta Papa, vous êtes à l'écoute? Uniforme, si vous êtes à l'écoute, transpondeur 37-33, rappelez écho. Fox en uniforme, 37-33, on rappelle écho. Victor Tango, nous avons le 37-33 aussi. C'est pas grave, Victor Tango, lui il est en mode S. Ah, super, merci. Nous avons Fox Delta numéro 2, trafic passé dans Vélis Basse pour la gazonnée, rappelez final, piste 08 dur. Pas du tour, novembre, Lima, bille vent arrière. Dans Lima numéro 3, trafic précédent 16, ta fin de vent arrière, appel final, piste 08 gazonné. Numéro 3, je rappelle final 08 gazonné, Fox novembre Lima. Delta Papa, Juliette, bravo Delta Papa. En fait, juste avant que tu parles, il avait appelé le Cessna. Ah oui. Avant, je pensais qu'il avait. Il a un peu cramé, tu lui as un peu Fox cramé. Son tu l'entends bien ou pas ta radio? Ouais, Fox, uniforme, entrée, rappel vent arrière, main gauche, piste 08. Ou c'est Nico, t'entends pas le rappel vent arrière, main gauche, piste 08. Le contrôleur, tu l'entends mal? Ah non, lui, c'est Delta novembre, transpondeur 7000, quittez à plus tard. C'est PG qui est alors, Fox Delta Novembre. Ah non, je les entends bien. Fox Alpha Juliette, piste 08 gazonné autorisé, touché, vent 0,50 degrés, 5,2. Autorisé 08 gazonné, Fox Alpha Juliette. Dernier bonjour du Fox Delta Papa, on approche dans 2 minutes le point écho. Fox Delta Papa, transpondeur 37-34, deux trafics devant vous, convergent écho, même altitude. 4 et visuel sur le trafic. Donc c'est Victor Tango, entrée, rappelez vent arrière main gauche, piste 08. Victor Tango en rentrant vent arrière main gauche, rappelez 08. Novembre Fox Delta, piste 08, dur, autorise atterrissage, vent 0,50 degrés, 4,2. Et ce sera encore un toucher si possible, Fox Delta. Novembre Fox Delta, c'est bien pris pour le toucher. Et autant qu'autorise sur 08, Fox Delta. Fox Delta, pas vertical écho, 1200 pieds. Fox Hotel Papa, entrée, rappelez vent arrière main gauche, piste 08. On rentre, on rappelle vent arrière main gauche, piste 08, Fox Hotel Papa. Et Fox Romeo Uniforme, début de vent arrière pour un complet sur la 08 dure. Fox Romeo Uniforme, en numéro 2, trafic précédent, Robin, passe pour la gazonnée, rappelez final, piste 08 dure. Numéro 2, on rappelle final, piste 08 dure, Fox Romeo Uniforme. Delta Papa, entrée, rappelez vent arrière main gauche, piste 08. Voilà. Ce Delta Papa, entrée, rappelez vent arrière 08 avec un Vélis, remontée initiale, tour de piste. On veut rien d'autre. Delta Papa, on entre 08, vent arrière 08 et on a bien reçu pour le Vélis.
Fox, Alpha Juliette, trafic Tu peux leur mettre 1500. Sirius, passez quoi vers l'avant arrière. Je notais pas le trafic Alpha Juliette. Non, Mlima, piste 08 gazonnée, autorisé toucher, le vent 0,50 degrés, 5 nœuds. Mlima, autorisé toucher, en fait c'est pour un complet sur la 08 gazonnée, devant Mlima. Autorisé atterrissage. Autorisé atterrissage, devant Mlima. Québec uniforme, la tour, bonjour, alignez-vous piste 08 dur, autorisé décollage, le vent 0,60 degrés, 5 nœuds. Québec uniforme, on s'aligne en décolle. Alpha Juliette, là, vous avez loin devant et arrondi le Sirius qui approche les hautes. Hop, la panne de bloc. Et arrondi. Voilà, ça c'est un arrondi. Ah, merci. Ouais. C'est noté, Alpha Juliette. En fait, on avait un petit peu de vitesse en trop. C'est pour ça qu'on est remonté. Sur Tongo, numéro 2, trafic précédent, Robin, fin de arrière pour la dure application de Sirius. Oui. Victor Tango, numéro 2, je rappelle, en finale 08 dur. En fait, tu le. Le fait de l'arrondir, tu vas poser juste en train principal et tu vas garder ta roulette en l'air. Aucun problème de blocage de roulette comme ça. Tu la touches pas le sol, vote bloqué. Numéro 3, visuel trafic, et puis après, on remet le manche en avant, on appuie la roulette et c'est impeccable. Elle est débloquée. Delta Papa numéro 4, trafic décédant Robin, passe le traversoir pour la cajonner, rappel final, piste 08 dur. Numéro 4, on rappelle final 08 dur, Fox Delta Papa. La pompe est volée. Fox, le fait de début de l'antérieur, Fox pour la 08 gazonné. Le du sol du Fox novembre Lima 08 gazonné demande roulage pour rejoindre le parking Fadio Droite. Fox novembre Lima, rebonjour, par la droite, roulez, rappelez avant novembre. Par la droite, je roule, je rappelle avant novembre, Fox novembre Lima. La vache, elle est humide hein, quand même. Avec toute la pluie qui est tombée. Là, le fait de mettre manche secteur arrière, ça va faciliter ton roulage. Par contre, si jamais tu prends un trou, tu peux avoir des problèmes de roulette qui se bloque. C'est toujours cette position de roulette détendue qui va se bloquer. Là, normalement, elle va se bloquer dans l'axe. Et dans tous les cas, le réflexe, comme on est au sol, on freine et basta. Bon, bah ça fait du bien de reprendre, hein. Ouais. Ouais, puis on a fait 1h20 à peu près, un peu plus. Ah, quand même. Que. On a réussi à faire 2-3 trucs quand même. Ouais. De toute façon, on peut reprendre, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Bah, si, franchement, 6 mois, 1h20, le. Et le sol de. Le calcul est pas mal. Roméo, uniforme, bonjour. Donc, piste 08 dur dégagée pour rouler à Paris-Est. Fox, Roméo, t'as vu dans 2 semaines maintenant, le jeudi, on se met là. On roule et on quitte Paris-Est, Fox, Roméo, uniforme. Bonne journée. Je sais que là on sera sur 2 heures et puis après derrière j'ai l'avion puis je me ferai quelques tours de piste. Le sol novembre Lima, on arrive sur novembre. Fox novembre Lima, rebonjour, enfin pardon, poursuivez et quittez Asadik. On poursuit, on quitte Asadik novembre Lima. On fait une chicane là. Ouais. Pourquoi pas? Eh ben parce qu'en fait ils ont mis un. Tu vois le patch d'herbe magnifique. Ouais. Eh ben, je sais pas où ils l'ont prise, ils ont dû la prendre au Parc des Princes, du coup on n'a pas le droit de rouler dessus. Ouais. C'est pratique, hein, il y avait que de la boue, ils ont mis de l'herbe, ça va faire un bon 8 mois que ça y est, et on n'a toujours pas le droit de rouler dessus. Ouais. Tu comprends? Faudrait vraiment pas abîmer l'herbe. Ouais. Là, fallait rien faire, et puis basta. Enfin. On travaille poché ADP.
gauche, libérez la 08 tour pour un retour au point alpha. On parachute là. Fox Victor Tango, bonjour. Non, mais le Tango, ouais. Bonjour, on roule en kill alpha bien sûr. Envers alors. Ouais. Il fait du bas. Une seule bonjour, Fox Golf Golf Fox Yankee. Fox Yankee, là, une seule rebonjour. Fox Yankee, t'as 28 Intersen au pompe pour un troisième lâcher solo avec l'information Juliette. Fox Yankee, transpondeur 7000, roulez point d'attente piste 08 dur, rappelez prêt. 7000, roulons point d'attente 08 dur, rappel prêt, Fox Yankee. Alors, 1200 tours, hop, tirez les freins, on est vite, est-ce que ton matériel, dégageur et moteur, la roue est donnée dans l'axe, le frein de parc il est serré, la radio on a clôturé, les phares. Fox Delta Papa, piste 08, dur, dégagé, demande relâche pour plein air. Alternateur. Et off, hein, régime moteur inférieur. Delta Papa, rebonjour, roulez quitter plein air. Fox Delta Papa, on roule en quitte à plein air. Bonne fin de soirée. Ah oui, j'aurais pu le couper avant ça. Tac. L'anticolle. Ça. Ça. Et ça. On libère le parc. On respire. Waouh. 17h02. Ouais, j'ai mis 17 tout court. Ouais. Comme ça, le calcul est plus simple. Ah, mais mieux, regarde. 15h32, 17h02. Ça fait 1h30. Ouais. Voilà. Et donc là, il devrait nous indiquer un 04. On est d'accord. 511. Ouais, c'est un 03, 04. C'est comme tu veux. Allez. Moi, j'ai mis 03. Alors, mettons 03. Et ça fait 1h29. 1h29. Et ça fait une bonne reprise. Hop là. Ouais. Et moi, le débriefing, on le fera là-bas. Ouais. Ouais. J'ai pas grand-chose à dire. D'accord. J'ai pas grand chose à dire, un peu plus de dispo radio. Oui. Parce que bah, tu m'as loupé des messages et tu m'as grillé une priorité sur le Cessna qui était devant. Mmh. Bah, c'est pas très grave, mais. C'est pas très grave, mais ça va qu'il n'y a pas trop de monde. Assiette puissance. Oui. Fais gaffe. Mets ton assiette. Fais descendre tes tours d'hélice. Enfin, tes tours moteur. Et remets plein gaz. Assiette puissance. Parce que sinon tu passes l'arc rouge tout le temps. À chaque fois tu passes l'arc rouge. D'accord, donc sur le novembre Lima, il faut être vigilant avec ouais. Ça. Oui monsieur. Et j'ai marqué un dernier truc. Oui, vérifie ta vitesse quand tu veux sortir tes volets. Oui, oui, tout à l'heure en début en arrière, voilà. Je sais pas, ouais. On était un peu trop rapide. Bon, c'est normal, hein, ça fait 6 mois. Tu t'es dit je suis en vente arrière, je sors mes volets. Ah ouais, bah oui, c'est ça, ouais. Dommage. On était juste à 91-12 là. Ouais, on était à 102. À 102. Ah oui, on était à 102. Ah oui, d'accord. On était 10 au-dessus. Deux au-dessus, je t'aurais rien dit. D'accord. Parce que 92, c'était dans l'arc. Donc ça veut dire qu'en fait, ça, parce que je t'ai vu, t'as fait ça. Après, j'ai regardé et on était déjà tombé à juste au-dessus de l'arc. Ouais, ouais, ouais. On n'était pas loin du dessus. Et c'est pour ça qu'ils étaient quasiment ressortables à l'arc. D'accord. Mais quand même, j'ai pas envie de les plier. Non, c'est sûr. On a déjà des avions en moins. On va éviter. On va éviter. Mais non, t'as pas trop. Tu perds pas, c'est pas trop mal. Alors, l'encadrement, c'est toujours le même exercice à la con. Hein. Faut bien garder les deux AP, bien attendre 10 cm, converger sans trop se rapprocher. Mmh. Parce que sinon t'es trop haut. Et tu converges en gardant deux AP. La piste. En et le point ouais. Ouais. Une fois que tu es à 30 degrés de ton point d'aboutissement, tu vas commencer à réfléchir pour te créer une base et une finale. Mmh. Et voilà. Savoir si d'accord. Tu vas utiliser tes volets ou pas du tout. Et si ta vitesse est bonne.
dans les deux cas on faisait la piste. Le premier on était vraiment très très haut. Oui, ah oui. Ah, le deuxième on était encore haut. Tu vois, j'étais un petit peu optimiste aussi. Mais piste longue donc pas de, pas de problème. À Logne, faut le mettre dans un. Ah bah oui. D'ailleurs à Logne, tu préfères la gazonnée ou la dure? De toute façon dans ce cas-là on fait la gazonnée, hein, ouais. D'office. Hein. Ouais, c'est une bonne idée. Là, c'est comme quand t'as une panne de volet. Pareil. Ou un problème quelconque, tu peux pas tailler à deux volets, deux crans. La gazonnée d'eau direct. Yes. Ok. Impeccable. Bon bah écoute. Et l'arrondi sur la fin était beaucoup mieux donc ouais. Nickel. D'accord. Nickel, c'est travaillé, c'est bien. Non, c'est cool. Tout à fait. Bon bah écoute. Dans deux, dans une quinzaine, ouais, c'est ça. Ouais. Nickel. Ouais, génial. Ça. Ah non, je croyais que c'était le bruit du truc électrique. De l'avion électrique. Mais... Allez, elle va dans deux semaines.